Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare pour la campagne, donc pour l'épisode 6. Donc du coup, ça fait pas mal de temps que l'épisode 5 a été sorti, malheureusement j'ai pas eu vraiment le temps de faire le montage pour cet épisode. Avant de commencer cette vidéo, c'était un live qui sera coupé en plusieurs parties, donc qui a été tourné le 22 novembre 2019. C'est vrai que ça date hein, maintenant. Et aussi un autre point, c'est que malheureusement il n'aura pas le son de ma voix sur toute la campagne, car j'ai eu un petit problème avec mon micro et du coup bah, je préférerais enlever le son de ma voix et laisser le son du jeu brut. Donc voilà, donc en espérant que cette vidéo vous plaira, n'oubliez pas de lâcher un petit j'aime et de vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, bye les gens! L'autoroute est en dessous. Adir a placé des renforts pour tendre une embuscade. On fait des cibles faciles pour les Russes. Oui, on a peu de temps. Les hommes de Barkov sont en chasse. Il a plus le contrôle. Il va vouloir leur prendre. Attends ici. En route. Il faut qu'on intercepte le loup au col. Avant la guerre, ce village était rempli de familles et de rires. Le rire est le meilleur des remèdes. Pas une blague? Comment un agent de la CIA soigne une hernie? Comment? Avec une infiltration. Pas mal. Pas aussi drôle que je pensais. Mais j'apprécie l'effort. Gardez tout ça à portée de main. À vos ordres. Adir s'est placé en hauteur pour nous. Mon père surnommé Adir Shabal, son petit lion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort au combat. Quat al-Qatal al-Khassa Admin. Tiens-nous au courant. Alex, par ici. Adir nous attend. Je lui ai dit d'apporter tout ce qu'il avait. Alex, regarde ça. Là, tu as calibre 338. Transperce les blindages à 600 mètres. Je l'ai assemblé moi-même. Vas-y, prends-le. C'est un sacré fusil, mon frère. Protège-le de ta vie, et il te le rendra bien. Merci, Adir. Je vais observer pour toi. Regarde dans ta lunette. On est frères d'armes, maintenant. Rends-moi fier, Alex. Regarde dans ta lunette. Faut te préparer. Cherche la lumière qui scintille près de l'autoroute. Je vois. Ali, rejoins les autres. Oui, commandant. Suis-le. Et tu verras mon équipe en position près de la route. C'est bon, je les vois. Ils nous aideront quand on lancera l'attaque. Raza, place une cible près du bus. Parce que t'en es capable. Les encoches verticales, c'est pour ajuster la distance. Chaque encoche représente 200 mètres. Mets-toi à l'abri. On va tirer. La cible est à 400 mètres, donc vise deux encoches au-dessus. Deux encoches, entendu. Le vent va dévier tous tes tirs. Utilise les drapeaux pour connaître la direction. Tire contre le vent. Raté. Ne laisse pas impressionner par le fusil. Vise deux encoches au-dessus du bidon vert et une encoche sur la droite. Touché. Elle chante pour toi, Alex. Mon frère, c'est ton plus grand fan. On va essayer une autre cible, à une autre distance. Il y a une maison bleue dans le fond, tu la vois? C'est une maison bleue à un étage, à l'ouest. Je vois la maison bleue. Il y a un fruit sur la glacière. Distance 600 mètres. Fais feu quand t'es trop bas, la distance est de 600 mètres. T'es trop bas, la distance... Touché! Waouh! Il est impitoyable avec les fruits. J'ai entendu ça. Yahyawem, concentrez-vous un peu, les garçons. Bon, t'as compris le principe. Oublie pas, utilise l'environnement à ton avantage. Les drapeaux t'indiquent la direction du vent et les bâtiments te renseignent sur la distance. C'est compris. Surveille l'autoroute. Il devrait plus trop tarder.
Y a du vent, mais c'est tout. J'ai repéré quelque chose, près de la pompe à pétrole. C'est rien, juste des chiens. Continue de surveiller la route. Le loup sera bientôt là. Bien reçu. N'attaquez pas. Ils ont repéré un véhicule, côté droit. On dirait qu'on a enfin de la compagnie. Mais ça a pas l'air d'être le loup. C'est des éclaireurs. Tire pas. Attends d'avoir un bon angle. Ali, tu les vois ? Ils montent sur le toit. Regarde le toit, Alex. Deux, sur le toit. Bon, je les vois. Touché. Il en reste un. Bien visé. Deux hommes du loup en moins. Ali, tu peux y aller. Adir a de la ressource. Son équipe est en train de placer un piège pour les hommes du loup. Alex, couvre l'équipe qui piège le camion. Même si on tue le loup, rien ne dit qu'on mettra la main sur le gaz volé. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passera si tu le trouves pas ? C'est pas envisageable. Ali, tu peux y aller. Adir a de la ressource. Son équipe est en train de placer un piège pour les hommes du loup. Alex, couvre l'équipe qui piège le camion. Même si on tue le loup, rien ne dit qu'on mettra la main sur le gaz volé. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passera si tu le trouves pas ? C'est pas envisageable. Bien. Maintenant, mettez-vous à couvert et attendez le signal. Les hommes du loup vont devoir déplacer le pick-up pour passer. Attends qu'il soit tout prêt, puis fais-le sauter. Cousin, je vois le convoi à l'est. Bien compris. C'est le moment de vérité. Soyez fort, cousin. Les soldats du loup sont là, Alex. Sur la droite de l'autoroute. Trois véhicules d'Alcatala. Je les vois. Attends qu'ils soient à portée pour tirer. J'attaque ? Non. On les laisse s'approcher. Encore un peu. Allez, soyez pas timides. Ils le voient. Ils avancent vers le véhicule. Adir. Je les regarde. Tiens-toi prêt, Alex. Fais exploser le véhicule, Alex. À l'attaque ! Ouvrez le feu ! Ils sont à droite du bus. Bien joué ! Touché. Surveillez les fenêtres. Bien joué, Alex. Alcatala sur le dessus.
par là. Tire dans les moteurs. Il faut les arrêter. IHS. Ils sont morts. Alex, une autre équipe du mortier d'Alcatala. À bas là. Je l'ai dans mon viseur. C'est bon, je les ai eus. Un mortier actif. J'ai pas de visuel. Qu'est-ce que tu vois? À 600 mètres, Alex. J'ai du mouvement, près de la Maison Bleue. Je les ai. Mortier neutralisé. Un véhicule ennemi à gauche! Gauche! Tire un peu! Jouer, Alex. Le loup doit être en chemin, sinon ils n'auraient pas envoyé ses forces faire le ménage. Commence à placer des EEI. Adir et moi, nous allons renforcer le périmètre. Alex, fonce au bunker à l'est et fais le plein de munitions pour le loup. Encore des explosifs à dire? Et pourquoi pas? Comme tout à l'heure, l'ennemi approche, on le fait sauter. Garde tes distances! Alex, le capitaine Price appelle à la radio. Il dit que c'est urgent. Allez-y! Leader, ici Echo 3-1. Alex, le loup a quitté la ville. Dans votre direction. On est en route. Sniper! À couvert! Leader, on attaque l'ennemi! Restez planqués! Il faut pas qu'il vous voie! Bien reçu! À couvert!
attaque l'ennemi. Restez planqués. Il faut pas qu'ils vous voient. Bien reçu. On arrive. À couvert. Les coups de feu venaient de l'autoroute. Descends-le, vite. Allumé. Alex, trouve le sniper. Sa lunette réfléchit la lumière. Je l'ai. Cherche quelque chose qui brille. Le vent a changé. Le vent est bien plus fort. Tu vas devoir ajuster. Quatre encoches sur la gauche. Je le cherche. Il change de position. Je l'ai. Bien joué, Alex. Alcatala se regroupe de l'autre côté de l'autoroute. C'est peut-être lui. Thank you.
enfant. N'approche pas de moi. Comment t'as pu faire ça? On n'avait pas le choix, enfin. On a une chance, maintenant. Non, pas comme ça. Farah! Alex! Écoute-moi. J'ai volé le gaz aux Russes. Pour nous aider. Juste pour nous aider. Dis-le à Farah. Dis-lui, Alex.